En manchette aujourd'hui, 8 candidates et candidats se feront donc la lutte dans Berthier-Masquinongé. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, Alain Bellumeur au pépitre, qui est vraiment bien heureux de vous accueillir. Donc, on en parlera tantôt, on parlera des élections, évidemment, mais on verra qui a confirmé, donc qui sera dans la lutte dans Berthier-Masquinongé pour l'élection fédérale qui s'en vient à grands pas. On débute cependant, comme nous l'avions mentionné vendredi, Ruth Hélène Brosseau se présente à titre de candidate pour le nouveau Parti démocratique dans Berthier-Masquinongé. Nous avons réalisé une courte entrevue avec elle. On l'écoute maintenant. C'est quoi les sujets qui touchent le comté que tu veux travailler là, dans un prochain mandat là, si tu es élu? Merci. Donc, aujourd'hui, j'ai annoncé ma candidature. En fait, je vais être la candidate NPD dans Berthier-Masquinongé pour les élections du 20 septembre. Il n'y a pas un jour que je ne pense pas aux citoyens de Berthier-Masquinongé. Surtout la pandémie, on sait que les enjeux sont grands, mais il y a plusieurs solutions. Moi, l'important, c'est d'être une voix forte à la Chambre des communes et représenter les citoyens, mais surtout trouver des solutions. Travailler ensemble et trouver des solutions pour améliorer la qualité de vie des gens dans Berthier-Masquinongé. Depuis 2 ans, j'ai travaillé beaucoup à la ferme familiale. C'est une petite entreprise où les gens sont capables de venir acheter des produits. L'achat local était toujours important pour moi, mais il y a plusieurs défis qui font face les agricultrices, les agriculteurs, les transformateurs, les petits commerçants. Il y a la pénurie de main-d'œuvre. Tu as travaillé, ces dernières années en agriculture? Oui, j'ai travaillé en agriculture. Et en service? Toujours, depuis des années, en service. C'est un dossier qui va être important dans tes choix là, de prioriser de l'aide ou de la façon de travailler si tu es élu là, pour les prochaines années. Là. L'agriculture va être au cœur. L'agriculture, c'est un enjeu important, mais je dirais surtout, c'est améliorer la qualité de vie des gens de Berthier-Masquinongé. Le coût de la vie augmente. Les salaires, ils ne suivent pas nécessairement. Il faut prendre soin de nos aînés. L'agriculture, les entreprises, la pénurie de main-d'œuvre, le train à grande fréquence, Internet haute vitesse, il y a plusieurs enjeux. Puis c'est sûr, au long de la campagne, on va faire des annonces, puis on aura la chance de jaser plus en profondeur. Tu nous as expliqué pour les raisons qui ont fait que ça a pris un petit peu de temps à décider, puis c'est normal et bien compréhensible. Mais. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 20, c'est quoi, la machine roule plus vite? Comment on va faire ça pour se rendre à la ligne d'arrivée? Mais quand tu te présentes comme candidat, il faut que tu donnes corps et âme. Pour moi, ça a pris un petit moment pour bien placer les affaires. Il y avait des questions personnelles, mais aussi des questions professionnelles. L'horaire est bien chargé à la ferme. Je pense que personne ne voulait se retrouver en élection. Je sais, avec un gouvernement minoritaire, ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais à date, je pense que Justin Trudeau n'était pas vraiment capable de justifier pourquoi on se retrouve en élection. C'est la fin de l'été, il fait chaud. C'est la rentrée scolaire pour plusieurs. On a d'autres priorités. Pour moi, c'est important de travailler pour les gens. Je vais travailler fort pendant l'élection. Et si j'ai la chance de représenter les gens, encore plus fort à la Chambre des communes. Merci beaucoup. Merci. Mentionnons que Mme Brosseau a déposé officiellement son bulletin de candidature ce dimanche. Toujours au niveau du NPD, Ruth Hélène Brosseau et son chef Jackmet Singh ont insisté sur l'importance de voter. Il a rappelé lors d'une visite dans le comté qu'il est facile de le faire. Alors que la campagne a atteint la fin de la deuxième semaine, le chef du NPD a rappelé lors de son passage dans le comté de Berthier-Masquinongé ce week-end le choix qui s'offre à la population. Jackmet a révélé le nouveau site aussi du NPD, votonsdifférents.ca, qui, mentionne-t-il, aide les électeurs et électrices à bien planifier leur vote du 20 septembre prochain. Toujours au niveau électoral, au niveau fédéral, on parle d'intention de vote en ce 29 août, donc c'était hier. Depuis les dernières intentions de vote, celle du 26 août,
Les candidats et candidates se sont maintenant fait connaître davantage, ont déposé leur bulletin officiel et les intentions de vote ont déjà bougé en date donc d'aujourd'hui. Le Bloc québécois, Yves Perron, récolterait, si les élections auraient lieu aujourd'hui, 36,1 %. Le NPD et Ruth-Hélène Brosseau, 29,6 %. Libéraux, Alexandre Bellemare, 16,2 %. Les conservateurs et Léo Soulière sont à 13,9 %. Le Parti vert, Laurence Riquier, à 1,8 %. Évidemment, il reste encore plusieurs jours avant le scrutin officiel et bien des choses peuvent modifier ce sondage. Les candidats, candidates qu'on vous a nommés sont tous confirmés. Donc, ils ont déposé leur bulletin de vote. Il y en a trois autres qui restent une journée, donc ça devrait se faire aujourd'hui. On parle pour le Parti populaire d'Ambertier-Masquinongé. Donc, la représentante serait Geneviève Sénécal. Le Parti marijuana serait représenté par Stephen Lamirande. Et Denis Brown serait le représentant d'Ambertier-Masquinongé pour le Parti libre du Canada. Allons maintenant à la pause. Voici les anniversaires en ce 30 août. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à José Lamontagne. La FADOC souhaite aussi bonne fête à Régent Brissette. Également, l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite un heureux anniversaire à Jeanne Courchaine. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant de nouveaux services à Berthierville. En effet, de nouveaux services sont maintenant offerts à Berthierville. Il s'agit des productions D.G. White. D.G. White a maintenant Pignon sur rue. L'entreprise du Berthelais Sylvain Paul est située rue Frontenac, place Giroux. Samedi dernier, ballons, chansons et musique étaient à l'honneur lors de l'ouverture du commerce et de l'entreprise, donc. Voici une petite vidéo nous soulignant cette inauguration. Comme Elvis. Faut-tu que je bouge comme Elvis aussi? Oui. Oui, correct. We're calling a track. I can walk in. Because I love you too much, baby. Can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, oh, baby, don't you know we're caught in a trap? Donc, production D.G. White offre la location d'équipements et peut, bien sûr, animer vos événements. Il est possible de rejoindre les productions D.G. White et Sylvain Paul au 450-760-4500
1598. Bonne chance à ce nouveau commerce. Et à souligner, parmi les gens présents, il y avait la mairesse de Berthierville, Mme Suzanne Nantel, qui est venue encourager ce nouveau commerçant berthelais. Le monde de Benjamin, peut-être vous connaissez déjà. L'équipe de course Musée Gilles Villeneuve et ses pilotes Marie-Soleil Labelle et Nicolas Barrette ont accueilli au circuit Icar à Mirabel vendredi dernier le monde de Benjamin. Pour l'occasion, l'équipe a reçu Benjamin Graton et son père Mathieu. Benjamin et son monde sont suivis sur Facebook par plus de 182 000 personnes. Benjamin, qui est un jeune autiste, raconte ses aventures sur Internet, faisant par le fait même la promotion de très belles valeurs, telles les valeurs familiales, la persévérance, le goût de découvrir le monde. Benjamin, lors de la journée organisée par l'équipe de course du musée Gilles Villeneuve, donc sur le circuit de course Icar à Mirabel, a notamment fait du karting et a découvert l'univers de la course automobile en côtoyant, entre autres, Marie-Soleil Labelle, qui lui a expliqué les rudiments donc de la course et comment faire pour être un pilote. Une journée donc que lui et les membres de l'équipe de course du musée Gilles Villeneuve ne sont pas prêts d'oublier de sitôt. Un charmant bonhomme, ce Benjamin. Le Centre d'action bénévole d'Autrey lançait sa 23e collecte de fonds la semaine passée. Voici donc la suite d'un reportage sur ce lancement. Donc, la deuxième partie, on vous la présente dès maintenant. De se retrouver cette année pour une autre campagne. Ça fait maintenant déjà plusieurs années que Germain et moi, on planifie nos vacances d'été pour être frais et dispo pour notre rendez-vous annuel avec la générosité pendant la collecte de fonds du CABA. On est quand même privilégié d'être aux premières loges, concentrer l'ampleur des bienfaits que le CABA et que vos dons permettent de réaliser, entre autres la popote roulante, l'accompagnement de transport, le service d'impôt, les activités de prévention, les conférences, les loisirs, les sorties, et j'en passe parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail qui est fait par le CABA. C'est probablement le meilleur investissement aussi que tous ceux qui donneront vont pouvoir pour aider la communauté, que ce soit le meilleur investissement qu'ils feront. Alors, j'espère que cette année, vous serez encore au rendez-vous. Le serez-vous? Je l'espère et je suis convaincue que vous le serez. C'est un grand plaisir qu'on est ici aujourd'hui, moi et Hélène. C'est toujours plaisant, c'est toujours un bon moment à passer parce que on vit avec le CABA. Souvent, je t'appelle un patient, je dis « Vos médicaments, sont-tu prêtes? Elles sont prêtes dans une telle. Oh, j'ai pas le temps aujourd'hui, là, je fais du bénévolat au CABA, là, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. » Ben, c'est ça, les gens, je côtoie les gens qui ont le service du CABA, mais aussi ceux qui donnent le service au CABA. C'est vraiment gratifiant, c'est mes patients, c'est nos patients, c'est les gens de la région, puis c'est tellement un bel organisme que comment ne pas être au rendez-vous quand on nous demande d'être des ambassadeurs. Et comme d'habitude, on continue à faire notre effort. Vous donnez 20$, on donne 20$. Vous donnez 50, on donne 50. Jusqu'à 5000$ par succursale, c'est un beau 10 000$ qu'on ajoute à la campagne de financement. Et on continue à solliciter nos différents partenaires pour essayer d'agrémenter et juste peut-être dépasser le 100 000$. Je le souhaite dans le match, Jimmy. Mais ensemble, je pense qu'on fait une excellente équipe. Bravo, c'est vraiment le fun. On va avoir du fun cette année. Merci. Rendez-vous, notre fidèle rendez-vous, mais 3 ans déjà. Je suis fier de dire que j'étais là la première, et on est rendu à la 23e, et je suis encore là. Là, je vais juste appeler mon masque. Puis comme vous avez pu le constater, je me sens privilégié, je passe en dernier, mais d'être entouré d'une si belle équipe, des partenaires, Hélène, Germain, M. Fortier, aujourd'hui, Jimmy. C'est merveilleux. Merci beaucoup d'être là. Cette belle solidarité, dans le fond, quand on a préparé, on envisageait vraiment un déconfinement des activités de socialisation. On y croit beaucoup. On espère qu'avec cette activité-là et l'espoir de,
d'être optimiste et partir nos activités en septembre. Vous le savez, les aînés ont besoin, de se parler, ont besoin d'activités. Donc, on mise beaucoup là-dessus. Donc, je veux souligner les efforts de l'équipe de travail. Julie qui s'y donne beaucoup, Christian, toute l'équipe ici, les bénévoles qui mettent en place cette collecte de fonds 2021. En poursuivant les deux objectifs majeurs qu'on poursuit, c'est bien sûr de faire connaître tous les services du centre et de souscrire peut-être 100 000 euros. On n'en demande pas tant. On sait que les efforts sont mis d'avant beaucoup. Dans les jours qui viennent, dans le fond, il va y avoir une correspondance qui va être acheminée aux anciens donateurs. Et ensuite, il va y avoir la souscription publique. Donc, tous les foyers de notre territoire vont recevoir la lettre de sollicitation. Et je suis très fier de vous présenter aussi le nouveau déclinant du centre. Donc, tous les services sont décrits. Une belle mariette à l'intérieur. C'est ça, regardez. Nombreux bénévoles. Regardez, vous avez parlé des bénévoles, mais ce sont des bénévoles qui se donnent beaucoup. Services de porte-pot roulante, transport, accompagnement. Donc, on est très privilégiés. Puis, je suis d'accord beaucoup à dire que c'est un besoin. C'est l'équipe d'employés est là et donne beaucoup de son cœur. C'est qu'on se le fait dire et les gens apprécient vraiment si c'est un besoin des services du centre. Donc, les organismes communautaires, je pense qu'on est là, on a notre raison d'être, je pense. Il est à noter, comme vous l'avez mentionné tantôt, que pour une cinquième année, les donateurs membres de la Caisse des Jardins de Dontré, contribuant et qui complètent le formulaire, verront leur don doublé par l'institution financière. Nos présidents d'honneur, notre président d'honneur, tout comme nos ambassadeurs, Hélène et Germain, doubleront aussi les dons. Donc, en résumé, un 20$ peut nous rapporter 60$. Donc, c'est important de le mentionner. Un sincère merci, M. Demy, qui s'implique dans ce projet pour une deuxième année consécutive. Merci beaucoup. Je veux aussi souligner l'engagement, l'implication de nos fidèles collaborateurs, Hélène et Germain, merci beaucoup. Puis soyez assurés de notre reconnaissance, c'est exceptionnel que vous soyez là encore avec nous et on est privilégiés, merci beaucoup. Donc, au cours des dernières années, l'équipe du CABA a mis en place plusieurs projets, et ce, en bénéficiant de l'appui d'un partenaire majeur. Donc, je vous mentionne la Caisse des Jardins d'Autré. Nous tenons à souligner la collaboration du directeur. On encourage les gens à justement encourager le Centre d'action bénévole d'Autré dans cette nouvelle campagne de financement fort importante. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600$ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisée. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Je m'appelle Mathieu et j'ai une amputation au pied droit. Un jour, Mathieu s'amusait à l'extérieur et a glissé derrière un tracteur de pelouse qui reculait. Les lames du tracteur lui ont coupé une partie du pied. Mathieu est maintenant ambassadeur de la prudence pour l'Association des amputés de guerre. Il incite les enfants à repérer les dangers avant de commencer à jouer. J'ai un message très important pour tous les enfants. Jouez prudemment!
accidentellement le 10 août dernier à l'âge de 86 ans, est décédé. M. Robert de Grandpré, époux de Lise Lavallée, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Bercier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Christian de Grandpré, Lynn Bellemare, François de Grandpré, Chantal Royer, Jocelyn de Grandpré, José Parent, Nathalie de Grandpré, Pierre Thériault, le papou de ses enfants et petits-enfants, Marie-Pascale, Yannick, Jean-Christophe, Arthur, Roxane, Adrien, Méridith, Roxane, Elisa, Francis et Marguerite, ses arrière-petits-enfants Charlotte, Émile, Brittany, Anthony et Hayden, sa sœur, Mme André de Grandpré, Bernard Larose, ses beaux-frères et belles-sœurs, feu Jean-Luc Lavallée, Darquise Ostigui, Odette Lavallée, Jacques Clément, feu Nicole Lavallée-Bergeron, Louis-René Bergeron, Dominique Lavallée ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis samedi le 4 septembre prochain dès midi au complexe funéraire Thériault de Bercierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14 heures. La famille demande aux personnes souhaitant venir offrir leurs condoléances d'avoir la double vaccination. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 22 août, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Jacques Rochelot, époux de Marie-Paul Lefebvre, demeurant à Bercierville. Il est parti rejoindre sa fille, Amélie. Il était le papou de Louis Renaud, Frédéric, Zacharie et Jacob. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses frères, belles-sœurs et beaux-frères. Pierre Rochelot, Thérèse Lefebvre, André Rochelot, Hélène Carpentier, Richard Rochelot, Lise Goujon, Alain Rochelot, Linda Courchaine, Huguette Lefebvre, Gérald de Massé, Françoise Lefebvre, feu Benoît Farly, Ghislaine Chaussé, feu Normand Lefebvre, Suzanne Lefebvre, feu Régent Rochelot, Denis Lefebvre, Cécile Durand, Jacques Lefebvre, Gilles Lefebvre, Ginette Girard, Lise Lefebvre, Maurice Rochelot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos marques de sympathie peuvent donc être témoignées via des dons à la Société canadienne du cancer. La famille accueillera parents et amis samedi le 18 septembre de 13h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles à 14h. M. Rochelot sera inhumé au cimetière de Berthier le jour même. Au CHSLD, le château de Bercierville, le 22 août dernier. À 97 ans, est décédée Mme Marguerite Laurendeau, épouse de feu Benoît Bérard, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses fils, Laurent Bérard, Noëlla Dagenais, Alain Bérard, Diane Sylvestre, feu Léo Bérard, ses petits-enfants, Isabelle, Daniel, Sylvain, José, Alexandre, Annie, Caroline, Patrick, Marie-Claude, François, Frédéric, Martine, ses arrière-petits-enfants, Ariane, Tommy, Camélia, Léa-Marie, Zoé, Marianne, Gabriel, Charlie, Aurélie et Léonie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le dimanche 5 septembre de 13h au complexe funéraire Thériault à Bercierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Mme Laurendeau sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy le jour même. Au CHSLD Alphonse Rondeau, le 29 août à 89 ans, est décédée Mme Cécile Sylvestre, épouse de feu Charles Bélanger de Saint-Norbert. L'ayant précédé, son arrière-petit-fils Loïc, elle laisse aussi dans le deuil ses enfants Alain Bélanger, Éric Bélanger, Rachel Henry, Nicole Gendron, Gilles Bellemare, ses quatre petits-enfants, Charles-Antoine, Mélissa, Gabriel et Joanie, son arrière-petite-fille Ève, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Mme Sylvestre sera exposée le vendredi 10 septembre de 14h à 17h et de 19h à 22h. Le samedi 11 septembre de 9h au complexe funéraire F. Thériault à Bercierville. Une liturgie aura lieu le samedi 11 septembre à 10h30 en la chapelle du complexe. Mme Sylvestre sera inhumée au cimetière de Saint-Norbert. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo.
Donc, après la pluie de ce vendredi matin, le beau temps revient et pour le reste de la semaine, du moins, on se croise les doigts. Aujourd'hui, c'était quand même fort bien, même un peu humide. 23 degrés, ressenti 27. Cette nuit, ça dormira bien. On parle de 15 degrés, ciel dégagé. 10 % les chances de précipitation, donc les nuages chargés de pluie qu'on a eu en ce lundi matin sont maintenant plus loin de chez nous. Demain, mardi, ensoleillé en matinée, 17 degrés ressenti, 17, donc très confortable. En après-midi, ensoleillé avec quelques passages nuageux. Le mercure grimpe toutefois à 25. On aura un ressenti de 29. En soirée, ça sera un petit peu plus chaud. Donc, mardi soir, des passages nuageux sont prévus à l'horizon. Donc, on parle d'un mercure de 21 degrés, ressenti 22. Encore, le risque de précipitation est très faible. Même chose pour la nuit de mardi. On parle de ciel dégagé, 14 degrés, donc très confortable pour dormir si vous voulez ouvrir vos fenêtres. On parle aussi de beau temps pour le reste de la semaine jusqu'à vendredi. Évidemment, on espère que les prédictions vont se réaliser, vont se concrétiser et on aura somme toute une fort belle semaine qui termine le mois d'août et qui débute le mois de septembre. Voilà, c'était vos nouvelles sur CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumaire au pépite qui vous invite à être des nôtres demain pour notre prochain bulletin d'information. Au revoir. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcbertierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRD. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.